Et bonjour à tous et à toutes, After, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pas pour, ouais, pour une petite série on va dire, que je vais nommer MST. Si vous savez un peu, si vous regardez déjà les chaînes genre Sneakzy, etc. Donc MST c'est une série un peu à la style Holy Cube. Donc voilà, on est sur le quand même le biome Mesa. C'est un peu style Holy Cube, c'est en hardcore. Bon par contre, on récupère les cœurs, donc c'est pas du ultra hardcore, mais c'est en hardcore. Et en plus, bah voilà, c'est fun. Alors je vais régler un peu le son. C'est fun et franchement c'est cool, c'est bien. Voilà, et puis c'est plus une communauté sympa, on est assez mature. Enfin, tout le monde est assez mature sur le serveur. Je parle pas de moi, mais par exemple, tout le monde est assez mature, donc ça c'est vraiment cool. On va faire plein de fermes ici, on est en train de créer le village, etc. Donc franchement, ça va être une aventure assez cool. J'espère que ça vous plaira, que vous la vivrez en même temps que moi. Et donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu bah, le serveur. Ici j'ai déjà un stack, donc je vais vous montrer aussi un peu les fermes qu'on a fait, enfin qu'ils ont fait, puisque moi je viens de rejoindre. D'ailleurs, il vient de quitter. Mais tout à l'heure, on l'aura en vidéo. Enfin, on sera en vidéo ensemble. Donc, vous aurez l'occasion de le voir. Et puis, vous verrez, vous pouvez aller voir sa chaîne. Hein. Elle est dans la description. De toute façon, tous les gens qui ont une chaîne sur le serveur seront dans la description. Lisez bien la description parce que je l'en ferai une petite belle. Alors, oui, le LP Faction va vite revenir. Ne vous inquiétez pas. Parce que je vois que vous êtes de plus en plus et ça me fout, je suis super content parce que bah on a passé la barre des 400 abonnés et c'est énorme, je suis déjà niveau 19, pas à cause de que j'ai pas à cause que j'ai pris que j'ai été farmer les monstres, c'est juste qu'on a une ferme à zombies et que bah voilà il y en a donc il y a des zombies donc ça fait quand même pas mal XP. Voilà, donc je vais prendre un petit peu. Donc on peut servir apparemment. Donc c'est cool, c'est gentil. Je vais prendre 2 melons, ouais. Je vais en laisser pour ceux qui en veulent. Ah, une pelle, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Minerai de quartz. Bon, ça c'est pas très intéressant pour l'instant. Ah oui, je vais prendre ça. Je sais pas c'est à qui, donc je rendrai tout. Hein, y a pas de souci avec ça. Hop, on va baisser un peu la musique. Ouais, puisque moi c'est fort. Donc bah, je ferai plein de petites ellipses, ne vous inquiétez pas, je vais un peu gérer sur le montage. Ne vous inquiétez pas pour ça, donc hop. Donc ça, non, je vais en laisser au cas où il y en a qui en veulent. Alors, il y a du bordel dans ces coffres. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, ici on a besoin de rien en fait, c'est ça qui est bien. C'est juste que je vais prendre un petit peu de fer, me faire un petit stuff en fer tranquille. Ah non, je pensais que c'était du fer. Je sais pas s'il y a du fer. Ouais, je vais mettre un texture pack si y en a un que je peux mettre sur. Genre, je vais essayer de mettre le Faceful. Faceful. Ça peut être stylé. Ouais, c'est bon, j'ai plein de rien. Je vais aller vous montrer. Je vais aller vous montrer tout ça. A gift from Urash. Ok. Donc, ça, c'est la maison de Sneakzy. Il a pas encore. Enfin, je sais pas s'il l'a totalement terminé, mais voilà. Ici, c'est le terrain pour. Le passage, pardon. Pour aller aux fermes à zombies et à eux. Pour avoir beaucoup d'eux. Allez, hop, on avance. Putain, j'ai eu peur. Je pensais que on allait repartir de l'autre sens. J'ai pas été trop d'accord quoi. Voilà voilà. Oh, de toute façon ça va être ici. Donc hop. Voilà. On part tout le temps loin avec ces main cartes. Hein. Hop. Voilà. Et voyez. Ouch. Et voilà. C'est fait. Alors, j'espère qu'il y a plein de petits zombies. Enfin, qu'il y a plein de zombies. Ah non, il n'y a pas de zombies. Fait. Sinon ici c'est une ferme à zombies, j'espère normalement qu'ils vont... Bah, y en a qui vont arriver normalement. Donc ouais, normalement, et ici... ouais. Ouais, je regardais un truc, il y a encore du poulet, vous inquiétez pas. Il y a plein de plumes, donc faudra peut-être refaire un coffre. Je sais pas, on va voir avec ça. Et voilà, ici il y a des zombies qui arrivent. Donc ici c'est le bouton pour les vitres rouges, enfin pas cette vitre là mais l'autre qui est là-bas pour refermer.
Et ça ici c'est le compresseur, après on n'a plus qu'à donner un coup de poing par exemple. Et voilà. Donc bah ici lui je vais le tuer parce que sinon il va pas me donner d'XP quand tu vas crever. Et c'est pour ça que je suis monté niveau 19 comme ça. Bon ici il faudra un truc pour les chunks mais je sais pas comment on va faire. On va s'arranger de toute façon. Donc bah on va se retrouver un petit peu plus tard quand j'aurai un petit peu de fer, un petit stuff tranquillou. Donc voilà. Et voilà les petits niveaux qui arrivent tout doucement. Fait du bien. Et maintenant on tue un peu tous les zombies. Et voilà on est déjà niveau 30. Je suis content. On a un peu de stuff en fer donc je suis mort plusieurs fois. C'est juste que j'ai emprunté du stuff à quelqu'un. Donc ça c'est la machine à zombies, je vous avais montré juste avant. On va laisser ouvert, mais bon, même ça va être déchargé. Je vais juste aller chez Fracards vous montrer un petit peu. Non. Ah oui, j'ai mis aussi le texture pack. Attendez, parce que là, il y a trop de trucs. J'ai mis aussi le texture pack, le faceful. On va passer un peu la musique. Voilà. Ouais, donc j'ai baissé un peu le texture pack. Merde, tu con. J'ai mis le faceful, donc un beau petit texture pack que j'aime bien. Voilà, j'ai pris pas mal de fer à... Enfin bon, maintenant j'ai fait 4 pioches en fer, j'ai fait une épée. Bon, ici c'est la machine à poulet. C'est qui est très pratique aussi. Bon, va falloir en faire une autre. Enfin, moi en tout cas, je vais m'occuper d'un grinder à squelette. Donc, je sais pas si vous voyez un peu c'est quoi. Je vais m'occuper de faire ça. À mon aise, ça on fait ça comme ça. Et puis je vais aller enchanter un peu une pioche niveau. Allez, 30. Ah, efficacité 4. Ouais, ça va, ça se casse facilement. Alors je vais aller voir, je vais vous montrer. Ici on est chez Fracarts. Donc aussi sa chaîne sera dans la description. On est chez Fracarts et peut-être que je l'inviterai pour la vidéo. Voilà, il n'y a plus ici parce que ici il a un spawner araignée. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dès qu'il y en aurait une qui tombe. Voilà, ici par exemple. Voilà, c'est un spawner araignée. Quand c'est bien bourré, ça XP vraiment très très bien. Regardez, il a récolté vraiment pas mal de fil. Donc c'est plutôt pratique, j'avais envie de dire. Voilà, voilà. Je vais aller par là chercher un peu l'XP. Donc ça, c'est un peu ce qui est présentation. Donc on a une efficacité 4, c'est très bien. On va peut-être construire la maison un peu plus tard, puisque maintenant on n'a pas besoin d'une grosse maison. Donc voilà, ici c'est l'ascenseur à eau, bien fait. Donc on va retourner, je sais à peu près où c'est. Donc on va retourner, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va, je vais aller miner, essayer d'aller miner du diamant, ou soit encore essayer d'avoir 30 niveaux et refaire une pioche. Ça pourrait être cool d'avoir une fortune quoi. Enfin, je sais pas si on peut en avoir une sur. Je sais pas si on peut avoir une fortune sur une enfer, mais. Je verrai de toute façon, je vais essayer. Non, je suis pas sûr. L'efficacité 4, c'est quand même bien. Je suis content. Bon, pour 30 niveaux, c'est pas le must, hein, mais bon. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la maison de Sneaky. Vous voyez, il a quand même. Tout ça, donc moi je vais rien lui prendre, enfin je lui ai pris un petit peu de fer mais que je vais lui rendre. Ici je vais lui prendre, je pense que je vais lui prendre un peu de canne à sucre puisqu'il en a énormément. Et ouais, un peu de canne à sucre ici, il a des vaches, donc c'est vrai que ça peut être intéressant s'il veut se faire full bibliothèque. Moi je vais faire un truc full, enfin je vais faire une table d'enchant full. Donc après je sais pas si c'est le même ou pas quand il y en a. Enfin, quand elle est full, donc je sais pas si ça s'améliore en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, si vous voulez, j'ai envie de la faire, mais je veux dire qu'elle soit full, que je mette toutes les bibliothèques et entourée. Pas par exemple qu'il y ait des trous sans bibliothèque ou des trucs du style. Donc je vais faire une table d'enchant complète, enfin une salle d'enchant complète. Et puis je pense que je vais essayer d'en faire une pour la ville. Donc comme ça, au moins la ville, ils en auront. Ici, je récupère un peu de pastèque. Je vais lui mettre dans son coffre un petit peu, puisque je sais pas s'il en a encore beaucoup. Je sais pas où il met ses pastèques. Oh merde, c'est en haut. Hop. Quoique, c'est peut-être pas ici en fait. Si, c'est ici. Voilà, c'est ici qu'il fout tous ces petits trucs. On va voir où il met ses pastèques pour pas foutre le désordre dans ses coffres.
Peut-être que Frankart, s'il a le courage, il viendra aussi un peu dans la vidéo. On verra, on verra. Hop. Tiens, je vais mettre ses pastèques ici. Et je vais en prendre un peu. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais aller à ma base. Toujours ce poulet. Hein, ça fait du bien de manger du poulet cru à volonté. Ma base, elle est par là. Et je vais aller couper un peu de bois aussi parce que c'est important. Donc voilà, on va se retrouver un petit peu plus tard quand j'aurai un peu trouvé quoi faire. Je vais peut-être essayer de commencer à penser un petit peu à quel style de design je vais prendre pour la base. Donc ça, on verra par après. Je vais juste essayer de trouver un peu quel style de design et puis voilà. Et puis comme ça, on aura quelques petites séries sur ma chaîne. Alors le LP Faction va arriver très très vite. Alors attendez, parce que ici, ouais, moi c'est là-bas. Le LP Faction va arriver très 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 vite. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire un max. Attends, ouais, ça casse vite, hein. De faire mon maximum. Mais bon, voilà, je préfère vous proposer du contenu dans ce LP Faction que du... que voilà, de... pas du contenu, faire genre l'avancement et tout. Voilà, c'est relou, c'est vrai que c'est relou, mais voilà, il faut. Mais je veux dire, voilà, je vais faire mon maximum. Et ouais, si ce que je vais faire, je pense que c'est une grande route qui va relier tout. Hop, charte. Donc voilà. Hey, premier diamant. Donc un petit diamant. Voilà, voilà. Ah, 4 diamants. J'espère qu'il n'y a pas de lave en dessous. Voilà, que je puisse les récolter. 5 diamants. Nickel. Ouh, 6 diamants. Ça, c'est une grosse pioche. Enfin, je vais pouvoir me faire une pioche en diams. Comme ça, je vais l'enchanter direct. 30. Ouais. Et une petite table d'enchant. Pourquoi pas. Donc, j'ai la masse de ressources quand même. Je suis encore en train de miner. Donc, voilà. Ici, je suis niveau 23. Ça sert. Et voilà, on continue de miner tranquillement. Je vais peut-être là revenir à la base. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait un big trou ici. Bon, attendez, parce que... Wow. Je vais baisser un petit peu le son. Hop. Je vais mettre à 50%. Voilà, comme ça vous entendez aussi. Mais vous entendez ma voix, parce que sinon... j'ai regardé un peu la vidéo que j'ai fait un petit peu avant. Et on entend... Enfin, c'est pas qu'on n'entend pas bien, mais... Voilà, c'est toujours mieux d'entendre un peu plus sa voix. Ah, ici, il y a de la redstone. Je vais prendre un max de redstone aussi. Regardez, je suis déjà à niveau 23. Donc, après, on ira rechercher quelques niveaux histoire de pouvoir enchant. Bon, ici, c'est très dangereux ce que je fais parce qu'en fait, je ne suis pas full life. Donc, si je me fais attaquer, c'est barlow, barlow. Donc, je vais faire ça. Hop. Voilà, voilà. Comme ça, vous verrez bien clair. Hop, voilà, voilà. Ouais, ça va, la bouffe, elle part pas trop trop vite, donc... Enfin, quand même. Mais bon, ça va, et j'ai presque... Ouais, 2 stacks de fer. Enfin, j'en ai un déjà, mais celui-là, je vais le donner, parce que j'avais déjà pris presque un stack de fer à Frackart. Donc, voilà, play Frack. À Frack, et voilà, je vais aller lui rendre, puisque moi, je rends tout le temps. Même s'il a un stack de diamants, etc., je vais quand même aller lui rendre. Ça peut toujours lui servir. Si à un moment, il meurt ou quoi, et qu'il n'y a plus de diamants, et qu'il n'y a plus de fer, même si ça m'étonnerait, il aura toujours de quoi se stuffer. Hop, hop, hop. Voilà, là, je suis full life. Il y a plein de fer. Ouais. Redstone, je viens de la prendre. Alors, je vous avoue que je me suis peut-être un petit peu perdu. Je suis parti très très loin. Bah, en fait, je me laisse guider. Mais j'ai les coordonnées, hein, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est facile à retenir, en fait. C'est 0500, 0400, 0500. Donc, voilà, voilà, c'est assez simple à retenir. J'espère peut-être retrouver un petit peu de diamant encore, puisque j'aimerais bien pouvoir peut-être me faire un petit stuff en gems avec plusieurs pioches, etc. Mais bon, ça, ce sera encore un peu pour la suite. Mais du coup, ici, je vais me faire une pioche en diamant. J'espère, avec un niveau 30, avoir mieux qu'une une efficacité 4. Parce que sur une pioche en diamant, j'aurai le seum quand même. Bon, ça creusera vite, mais voilà, ça me foutra le seum. Ça me foutra le seum quand même. Donc voilà, on va continuer un petit peu à miner. Je vais peut-être rentrer directement. C'est vrai, c'est très dangereux si je me fais buter. Parce qu'il y a énormément de mods et puis en hardcore, ça fait mal. Hop.
Voilà, on a aussi de la poudre de creeper, mais ça va nous servir un peu à rien. On est à la couche 14. Donc, j'ai, me suis un peu renseigné. Apparemment, c'est entre la couche 5 et... combien et, la couche 5 et 16, qu'on peut avoir du diamant. Moi, je pensais que c'était entre la couche... entre la couche 12 et 16. Donc, voilà, j'ai appris quelque chose. C'est toujours bon d'apprendre. Non, non, non. Oh putain, là, il y a trop de zombies. C'est dangereux, les zombies, quand même. Hein. Ça pexe bien, mais c'est dangereux. Hop. Et on a pas mal de redstone, ça, je suis content. On va avoir 3 stacks de redstone bientôt, donc... ça, j'avoue que je suis content, parce que j'aime bien. Enfin, on va, ça va être utile. Donc, voilà, voilà. On va aller continuer un petit peu à récolter. Et puis, on va se retrouver à la base, nous. En attendant, et parce que là j'ai plus de place, mais je pense que je vais revenir ici puisqu'il y a la masse de minerai. Ben, j'en ai besoin. Ici il y a de l'or, donc très très bien de l'or. 19 or, j'ai pas mal de fer. Je vais continuer un petit peu à prendre du fer et puis je vais retourner à la base tranquillou. Donc voilà, à tout de suite. Et les amis, je suis à peine, bah, je vous ai à peine quitté. J'ai parlé un petit peu avec un pote. J'ai parlé genre 3 minutes, même pas. Et j'ai retrouvé du diamant. Donc, hop. Voilà, voilà. Donc 2 diamants en plus. Je vais regarder sur les côtés au cas où il y en a encore. Ça fait du bien d'avoir du diamant. On est à 8 diamants, je pense. Attendez, parce que je vais lire un peu la conversation. Je vais faire dans le nether sans glitch ou autre. Ok, donc en fait, depuis tout à l'heure, il s'amuse. Enfin. Sneakzy, vous allez voir sa chaîne, elle est dans la description. Mais Sneakzy s'amuse, enfin s'amuse pas, il tente bien que mal de réussir le Wither sans le glitch avec le truc. Parce que si vous savez pas, il y a un glitch, on peut essayer de glitch. Non, je veux pas de cailloux. Oh. Putain, j'ai eu les bouches, je pensais que c'était de la lave. Donc en fait, si vous voulez, il y a un glitch. Donc il faut avoir un creux de entre une bedrock et au-dessus avoir un creux. Et on le met, et puis là, on peut le taper puisqu'il nous fera rien. Enfin, c'est pas très très compréhensible, je m'exprime peut-être mal. Mais en tout cas, il y a un glitch assez facile à faire. Et qu'on peut battre le Wither facilement. Donc voilà. Lui, il a envie de le faire normal, quoi. Et on est quand même pas mal sur le serveur. Donc, je vous rappelle qu'on peut pas le rejoindre, ce serveur. Inutile de demander. Même si peut-être qu'il y a personne qui demandera, mais inutile de demander. Par contre, le LP faction. Bah. Ça, par contre, il y a peut-être moyen de le rejoindre. Je sais pas, faut d'abord voir par Skype. C'est vrai que ce serait gênant de refuser quelqu'un. Mais bon, voilà, j'aimerais bien plus des joueurs un peu expérimentés et aussi assez matures. Puisque c'est pas... Ah, voilà, un petit coffre. Oh, 3 diamants en plus. Un coffre. Voilà, voilà. Je suis content puisque j'en trouvais pas, donc ça nous fait 11 diams et on s'avance plutôt bien. On y arrive petit à petit. Ah, une flame ball, voilà, hop. Et voilà comme ça. Oh, petit truc, petit slime boy. C'est quoi ce bug? Ah non, c'est pas un bug en fait, c'est de l'arden clé. Ouf. En fait, ici il y a des petites slimes, un petit bug du serveur. Hop. Pourtant ce bug, c'est le premier bug du serveur, ou peut-être c'est Mako, mais en tout cas c'est le premier que j'ai eu. Donc il est vraiment... GG. Ouais, donc ouais, c'est vrai que ça fait du bien, franchement.
d'avoir un serveur qui bug pas. Parce que souvent, bah, on va sur des serveurs, mais malheureusement, soit l'hébergeur est mal. Genre, par exemple, sur le LP Faction, le serveur il bug un peu quand même. Hein, donc, je vous l'avoue. Mais bon, c'est. De toute façon, c'est pour le fun. On s'y habitue un peu, et puis des fois, il bug pas. C'est... Il faut qu'il change. Soit. Non, mais je pense que c'est OMG, OMG Serve qui. Apparemment, ils font encore des mises à jour sur le serveur LP. Donc, ça, je ne sais pas vous dire s'il buggera ou plus. Mais en tout cas, bah, venez nous rejoindre sur le serveur PVP Faction. Je vous mettrai l'IP dans la description maintenant, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve plus tard à la base. Cette fois-ci, vraiment, puisque je pense plus retrouver de diamants. Puis je vais pas faire le con à perdre 11 diamants quand même. Donc voilà, voilà. Et voilà, bah ici on a la base. Donc bah j'ai pas encore construit ce que je devais construire. J'ai pas encore construit de base à proprement dit. Ici c'est plus une mine. Donc regardez comment j'ai fait pour miner. Eh, c'est cool parce qu'avec l'Arden Clé ça donne bien. Enfin c'est beau je trouve. Donc bah ici je me suis pas cassé le cul après. J'en ai eu marre. J'ai creusé jusqu'à la couche 11. Voilà. Et là je suis dans le caca puisque j'ai fait le con et ok d'accord, il m'arrive tout le temps des ennuis moi, c'est magnifique. J'espère qu'on peut pas la récupérer, je me doute. Voilà, et en plus je tire la torche quoi, tout de suite. Bon, je vais remonter, le temps que je remonte je vais pas commencer à faire 100 vidéos. Allez. Oh là 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 là, c'est long. C'était chiant de faire ça. Donc, on va se prendre une petite. Ouais, j'ai ça. Je vais me prendre un stack et ça de quoi faire. Pioche. Pas une pioche. Si, une pioche. Ah oui, j'ai pas de bois. Ça, par contre, c'est embarrassant. Je vais aller en chercher. Puisque, oui, il me faut une pioche, absolument. Et donc, ouais, je vais prendre ça avec. Et puisque j'avais emprunté à peu près un stack, un peu moins d'un stack, mais bon, je suis pas à quelques fers près, donc à Fracard, donc je vais aller lui rendre. Je sais pas si ici il reste des trucs. Je pense que j'en avais déjà pris. Ouais, non, je pense pas qu'il y ait. Non, je pense pas. Hop. Ici non plus, ils ont un arc solidité. Ouais, mais moi j'ai droppé ça sur un archer, donc j'étais content. J'étais content. Yeah. Donc ici il a fait une what? Laisse-moi me faire mentir, bien sûr. J'avais vu une forêt qu'on pouvait prendre. Qu'on pouvait couper et remettre, fallait juste replanter. Par contre, je sais pas c'est de quel côté de la maison, donc c'est peut-être par là. On va aller voir tout de suite. Donc, sa ferme qui. Ouais, elle est par là. Sa ferme qui. Enfin, sa ferme. En tout cas, il fait de l'élevage avec les vaches pour pouvoir peut-être, je pense, compléter sa petite table d'enchant. Enfin, truc d'enchant. Et ici, on a vitesse 2 apparemment. Oui, vitesse 1. Ouais, donc on a posé un beacon à l'instant. Regardez, je me suis. Ouais, bon. le beacon est prêt, j'ai mis vitesse, donc voilà. Merci Sneak. Et donc ici je vais juste prendre un peu de bois. Histoire de. Voilà, de prendre un peu de bois. Histoire de pouvoir me faire des bâtons. Hop. Ouais. Et de, je vais me prendre ouais si je me trompe pas, je vais me faire une non je vais me faire ça parce que ici j'en ai besoin en l'occurrence. Hop, je vais prendre vite fait du bois parce que j'en aurai quand même toujours besoin, donc c'est pratique. Voilà, ici j'espère juste avoir une pousse d'arbre histoire de pouvoir replanter correctement. Non. Ouais. Allez, on va détruire ça, histoire d'avoir une petite pousse d'arbre. Puisqu'il faut replanter. J'espère que cette petite série vous plaira. Hein. Faut pas tout de suite crier au plagiat, parce que c'est pas une invention. Beaucoup de gens ont fait ça avant HolyCube, c'est juste qu'HolyCube l'a juste montré en vidéo.
Peut-être pas en 1.7.2, mais sur les versions récentes. Alors, j'ai pas eu de pousse d'arbre, donc j'arriverai pas à repousser. Donc, si j'arrive à en avoir une, après, bah voilà quoi. Et voilà. Donc, on va les lui rendre ce qui lui appartient. Parce que moi, à chaque fois que j'emprunte, bah, je rends hein, comme tout le monde, je pense. Et j'espère, puisqu'il le faut. Donc, on va lui faire un petit coffre. Tout mignon. Regardez, un petit coffre. Et ah, je vais faire. Hop, comme... Ah non, en fait, c'est bon, j'ai. Et on va faire. Hop, voilà. T'as peut-être pas en carte et tout. T'as vu comme ça, mignon? Et ici, on va mettre. On va le foutre ici. Je vais mettre les fers dedans. Je vais mettre. Merci. Le fer. On va pas mettre ça. Je vais tirer ça. C'est nul. On va mettre un truc genre. Voilà. Comme promis. After. Voilà. Donc ça c'est la base de Snixy. Et on va peut-être aller rechercher un petit peu de bois. Et puis après, bah, on va aller s'enchanter une pioche. Donc je vais aller rechercher vite fait. Et après on va aller s'enchanter une pioche. Donc voilà, je vais vous retrouver à la table d'enchantement. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on va faire la pioche en diamant. Voilà. Et on va faire l'épée en diams. Voilà, voilà. Et on va l'enchanter tout ça. Enfin, on va l'enchanter tout ça. Ouais. Niveau 30. Je vais d'abord enchanter. Peut-être. Allez, la pioche, c'est le plus important, je pense. Donc, la table d'enchant, elle est chiffre carte. C'est cool. J'espère que le chunk. Enfin, que ça pas. Que les araignées ont spawn dans son truc, dans sa ferme à XP à araignée, enfin dans sa ferme à araignée tout court. J'espère qu'elles ont spawn, comme ça bah, je pourrais aller où tu fer. Je me prendrai après. Comme ça je pourrais aller. Non, c'est pas ça. D'accord. Ouais, les trucs là, je sais pas comment. Ouais, les explosions ne sont pas activées, donc c'est pas plus mal. Oui. Attendez, parce que mon clavier me fait des siennes. Bon, je vous reprends tout de suite. Ouais, c'est bon. Donc, on va ouais, faire la pioche directement. Allez, hop. Fortune 3, solidité 3, efficacité 4. Alors, 3 efficacité 4 et solidité 3. Pas mal, pas mal. Voilà, bah, ça va, c'est pas énorme. On va voir si je peux un peu XP avec ce truc à araignée. Ah, j'ai vraiment une bonne pioche là. Un petit vent, ça fait toujours du bien. Je pense qu'ils sont en train de soit dominer, soit. Je sais pas ce qu'il fait. Soit il est en pause. Peut-être, je pense qu'il m'avait dit ça parce qu'il était en train de faire une vidéo et que voilà. Mais bon, je ne me justifie pas, je me suis pris un vent, voilà, d'accord, j'avoue. J'avoue. C'est vrai que c'est pas mal pensé ça. Faudrait que je me fasse une silk touch si j'arriverais à avoir une silk touch. C'est vrai que ce serait intéressant pour reprendre des spawns et après faire un grind. Je pense que en fait, je suis pas sûr, mais dites-moi dans les commentaires si je dis des conneries, mais avec une silk touch, on peut avoir les spawners et les replacer. Après, je sais pas si c'est vrai, mais, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais je sais pas si c'est encore comme ça. Parce qu'il me souvient un temps où je faisais ça et. Donc voilà, je vais aller plus XP aux zombies, c'est plus intéressant. En fait. Et donc voilà, je vais vous retrouver pour essayer de mettre un petit enchant sur mon épée.
pour voir quel niveau, enfin, si on arrive à avoir un bon enchant sur l'épée. Voilà. Et ben ouais, c'est facile, hein, niveau 28. On attend. Et voilà, normalement, pour, je pense qu'on va réussir 30. Ouais, normalement, on devrait être... Enfin, il devrait avoir assez de... Ouais, nickel. Hop, niveau 30. Et voilà, niveau 30, un peu plus de niveau 30, c'est très bien. Voilà, donc maintenant, on va vite enchanter l'épée en gems. Hop. Non, ici, c'est le retour. Donc, je vais casser ça. Hop. Pour pas en gaspiller, hein, tant qu'à faire. Hop. Et on y va, on va aller vite fait... Enchante. Alors, le son. Je sais pas où c'est le son. Ça, voilà. Normalement, là, ça devrait être bon. Et ça mine très très bien. Enfin, cette pioche va très très vite pour miner. Fortune 3, solidité 3, efficacité 5, 4. Ça aurait... Enfin, c'est vraiment très très cool. Donc, shift, c'est vrai. Maintenant, c'est ça. Hop. On va le remettre là. Et on va aller vite fait enchanter l'épée niveau 30. Hop. Et top, top. Solidité 3, recul 2, affûtage 3. Ouais, c'est pas énorme. Bon, on l'améliorera, mais c'est déjà bien. Déjà content quand même. Je dois avouer. Oula. Hop. Je dois avouer que c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Je pense que on va s'arrêter là pour l'épisode 1. En tout cas, je vous remercie quand même de l'avoir suivi. C'était MST, l'épisode 1 de MST. Donc pourquoi cette série? Parce qu'elle s'appelle en fait Mes Aventures, et puis moi je me suis dit MST comme Mesa, enfin MS, et puis Aventure avec un T dedans, donc MST. Je me suis dit, tiens, ça peut être bien comme... en plus, ça fait un petit jeu de mots avec... Enfin, le truc, les MST. Enfin, ça fait un jeu de mots, quoi. Je pense que vous comprenez. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. C'est un petit style Lekyub. Hein. C'est pas fait pour plagier ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, j'avais envie moi-même de faire ça. Et puis voilà. Puis de toute façon, si vous êtes là pour rager, eh bien partez. Et sachez que l'épisode. L'épisode 2 du LP Faction arrive très bientôt. Je travaille dessus pour essayer de vous proposer un max de contenu, puisque j'ai envie de vous sortir un bon petit épisode. Regardez comme ça mine vite, c'est magnifique. Et on va se quitter dans le biome Mesa. Voilà. Et puis pour le prochain épisode, j'essaierai de faire déjà quelques bases, de construire un peu une petite maison. Et ouais, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, pour montrer vraiment que ça vous a plu, lâchez le maximum de likes. Et voilà, j'ai des flèches sur moi. Voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps de tourner cet épisode, mais j'en avais vraiment envie, et voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce petit épisode, et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 de ce LP. Enfin, pas ce LP, mais à très bientôt pour l'épisode 2 du LP Faction. Allez, à bientôt!